comment obtenir des thèmes Shopify Premium pour sa boutique e-commerce. À la fin de cette vidéo, vous aurez 10 thèmes Shopify Premium que vous allez pouvoir utiliser en fonction de vos besoins si vous souhaitez faire une boutique généraliste, une boutique monoproduit ou une boutique multiproduit. Chaque thème ici s'adapte donc. Chaque thème ici que je vais vous partager sera parfaitement adapté à vos types de boutiques. D'autres seront plus appropriés pour des boutiques monoproduits, d'autres optimisés pour des boutiques multiproduits ou bien des boutiques généralistes. Alors, qui suis-je pour parler de thème Shopify, boutique Shopify? Alors, qui suis-je pour vous parler de Shopify? Camille Yanda, c'est mon nom, je suis ingénieur en bâtiment et également consultant en marketing digital et e-commerce. Fondateur de EID Media, qui est tout simplement une agence marketing digital à travers laquelle nous accompagnons les e-commerçants aujourd'hui, à travers laquelle nous accompagnons les e-commerçants depuis 2 ans à pouvoir développer leur activité. Dans le thème de cette vidéo, je vous partagerai 10 thèmes Shopify que vous allez tout simplement utiliser pour permettre de booster ou bien d'optimiser votre site internet. Alors vous devez comprendre que depuis quelques années, le e-commerce a connu un boom et le niveau de conscience des clients également. Alors aujourd'hui, pour pouvoir se lancer en e-commerce et pouvoir se différencier et pouvoir réussir dans ce business en mettant sur pied des bonnes stratégies, au-delà de cette stratégie, utiliser les bons outils qui vous permettra donc de pouvoir augmenter l'expérience utilisateur sur votre site internet et l'expérience achat des clients. Et c'est dans ce cadre donc que je décide de vous partager ici 10 thèmes Shopify Premium que vous allez pouvoir utiliser dans vos boutiques pour vous permettre de vous différencier de la marque. Alors on se retrouve donc sur mon écran donc pour vous partager ce 10 thèmes Shopify Premium. Alors nous sommes donc sur le fichier Mega, sur le fichier sur lequel j'ai mis ici les 10 thèmes Shopify que vous allez pouvoir obtenir. Alors voici donc les 10 thèmes Shopify que j'ai mis à votre disposition que vous allez pouvoir utiliser en fonction donc de si vous faites une boutique monoproduit, multiproduit ou une boutique généraliste. Chaque thème est approprié, adapté, donc ce sont les meilleurs thèmes que vous pourrez trouver sur le marché francophone. Et cet thème là je l'utilise pour la construction des boutiques de mes clients et je vous partage cet thème parce que j'estime que si vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent pour acheter des thèmes, alors ces thèmes qui pourront donc vous aider à pouvoir vous lancer et de façon très professionnelle avec des boutiques optimisées, que ce soit en expérience utilisateur, que ce soit en expérience utilisateur. Alors, vous avez donc dans ce document Mega les 10 thèmes Shopify que j'ai mis à votre disposition, parmi lesquels vous allez reconnaître que certains de ces thèmes, nous avons premièrement le thème Booster, le thème Debitify, comme du beau Fastlane, puisque vous comptez certains de ces thèmes, le thème Prestige, Shopify, Feedify, SuccessThème, Thème Forest, Turbo Thème et Turbo Portland. Ce sont tout simplement les 10 thèmes Shopify les plus optimisés, les plus utilisés sur le marché francophone. Ce sont tout simplement les meilleurs thèmes que vous puissiez trouver sur le marché francophone. Alors, tous ces thèmes ici ont déjà des licences, ils sont déjà craqués. Vous pouvez tout simplement les utiliser pour pouvoir les installer sur vos boutiques Shopify. Alors, je vais donc vous montrer comment ici vous allez pouvoir les installer sur vos boutiques Shopify. Une fois que vous serez dans ce document, comment donc pouvoir l'installer dans sur vos boutiques? Vous allez tout simplement venir ici. Vous allez cliquer sur les 3 points qui s'affichent et vous allez télécharger le document. Par exemple, sur le thème Turbo, vous allez télécharger. Ça va être en téléchargement. Nous allons patienter quelques minutes. Vous pouvez venir vous télécharger le thème Forex. Je vais choisir le thème Forex. Supposons que c'est le thème que nous voulons aussi. Vous cliquez sur télécharger. Alors, une fois que vous avez téléchargé tout ce thème, vous allez venir ici dans votre bureau. Alors, les amis, une fois que vous aurez téléchargé ces 10 thèmes, vous allez aller dans votre bureau pour retrouver ces thèmes. Voilà comment les thèmes vont s'afficher sur votre bureau. Vous aurez dans les 10 thèmes parmi lesquels le thème Booster, Debitify, Ecom, Turbo, Fastlane, comme vous avez pu le voir. Ces 10 thèmes seront ici. Comment installer dans votre boutique? Vous allez tout simplement venir dans votre boutique en ligne. Nous partons donc sur Shopify, sur boutique en ligne. Vous venez donc ici sur ajouter un thème. Vous venez ici mettre un thème compressé en ligne. Vous venez vous ajouter le thème. Vous cliquez sur ajouter un fichier, vous allez être redirigé tout simplement dans votre machine et vous allez sélectionner le thème que vous voulez mettre en ligne pour utiliser votre boutique. Par exemple, voici les 10 thèmes sur lesquels nous retrouvons. Supposons que nous voulons mettre en ligne le thème Forex. Je clique donc sur le thème Forex et j'importe le. Vous cliquez donc sur télécharger le fichier. Vous patientez quelques minutes. Pendant ce temps, le fichier est en train d'être téléchargé. Une fois donc qu'il sera téléchargé, nous allons tout simplement pouvoir donc le prévisualiser à quoi ça ressemble. Alors voici donc 4 thèmes que j'ai mis en ligne. Ces 4 thèmes, vous allez donc les remarquer, ce sont les 4 thèmes qui étaient donc ici sur notre boutique, notamment le thème Fastlane, Ecom Turbo, Debitify et Booster. Voici ces mêmes thèmes que j'ai mis donc en ligne sur la boutique. Et ensuite donc, comment on va pouvoir utiliser ces thèmes? Vous allez tout simplement venir donc sur comment mettre en ligne dans ces thèmes.
Vous allez venir sur ajouter un thème, vous cliquez mettre en ligne un thème compressé et vous allez tout simplement uploader le thème. Une fois que le thème va être uploadé, ça va donc apparaître donc sur cette barre de thèmes. Je vais donc vous montrer à quoi ressemblent donc ces différents thèmes. Par exemple, nous allons venir sur le thème Booster V2 version 2. Alors, voici à quoi ressemble le thème Booster version 2. Comme vous pouvez le voir déjà dès le rendu est déjà beaucoup plus clean que les thèmes habituels. Vous voyez, voici à quoi ressemble le thème Booster version 2. Déjà, on peut déjà voir la qualité du thème et le professionnalisme de ce thème. Donc, et c'est pareil pour tous les autres thèmes que vous allez mettre en ligne. Chaque thème a sa particularité et est optimisé pour les conversions. Là, je vous partage pour que vous essayez de voir ensemble, pour qu'on essaye de voir ensemble. Alors, vous avez dans le rendu final du thème Booster. Alors, pour ceux qui souhaitent obtenir dans leur thème Shopify, j'ai mis mon numéro dans la description. Vous pouvez me contacter donc, pour obtenir les 10 thèmes Shopify Premium. Ici, je vous donne les 10 thèmes les plus performants et les meilleurs thèmes que j'utilise au sein de mon agence. Et je les mets à votre disposition pour que si vous êtes débutant, intermédiaire, vous puissiez prendre donc, ce pack de thèmes et les utiliser pour votre boutique. Et sinon, ce que je fais pour permettre à tous ceux qui veulent se lancer en même temps, c'est une offre que je fais pour permettre à tous ceux qui veulent se lancer de débuter en ayant débuter de façon professionnelle et d'augmenter leurs chances de réussir. Alors, j'ai mis mon numéro dans la description pour ceux qui ont des questions, qui veulent me poser des questions, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je partagerai sur la chaîne. Donc, je suis sûr.